Le SAMIFIN rencontre encore des failles dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent à Madagascar. Parmi les obstacles figure la loi sur le blanchiment d'argent. Le SAMIFIN a déjà proposé des lois au ministère de la Justice pour que la lutte soit effective. La signature de partenariat entre Air Austral et Air Madagascar devrait se faire vers la fin de ce mois ou au début du mois de juillet, selon Eric Kohler, membre du conseil d'administration d'Air Madagascar. Et puis une porte ouverte pour faire savoir les deux institutions aux jeunes étudiants a eu lieu à la Bibliothèque nationale. La Chambre basse a pour responsabilité de voter les lois et la Chambre haute conseille l'exécutif dans l'accomplissement de la politique générale de l'État. Pour terminer dans la page des actualités internationales, le parti conservateur de la première ministre Theresa May a perdu la majorité absolue lors des élections législatives en Grande-Bretagne. Theresa May voulait plus de pouvoir pour négocier le Brexit. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous présenter le journal. À la une des actualités, le SAMIFIN rencontre encore des faits dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent à Madagascar. Parmi les obstacles figure la loi sur le blanchiment d'argent. Le SAMIFIN a déjà proposé des lois au ministère de la Justice pour que la lutte soit plus effective. Le SAMIFIN a été doté de matériel informatique par la coopération française ce jour. Le SAMIFIN rencontre encore des obstacles dans sa lutte contre le blanchiment d'argent, selon son directeur général. Parmi ces obstacles figurent les failles des lois censées lutter contre le blanchiment d'argent. Plusieurs cas de blanchiment d'argent qui ont été constatés ne sont toujours pas présentés devant le tribunal à cause de ces failles dans les lois, selon le directeur général du SAMIFIN. Des amendements devraient donc être apporté aux lois sur le blanchiment d'argent dans la mise en place du pôle anticorruption qui permettra d'avoir un ou des magistrats spécialisés en matière de blanchiment d'argent. Le champ d'action du SAMIFIN devrait également être élargi pour faciliter les enquêtes de ces agences sur les affaires de blanchiment d'argent. Il ne faut pas se focaliser sur le seul SAMIFIN pour espérer venir à bout du blanchiment de capitaux. Il faut que l'ensemble du système marche de manière cohérente. Il faut avoir les lois qu'il faut. Donc nous, vraiment, on est vraiment dans cette logique de plaidoyer pour adopter les trois projets de loi qui sont actuellement pendants. Je parle du projet de loi sur le recouvrement des avoirs. Mais encore une fois, il ne faut pas adopter juste l'intitulé, il faut aussi que voir le contenu. Est-ce que c'est conforme aux normes standards du GAFI, par exemple, ou de la Convention des Nations Unies? Bon, ça c'est le premier projet. Deuxième projet, c'est la coopération internationale. Idem pour ce projet, il faut que ce soit conforme aux exigences à l'international. Nous avons adhéré au GAFI à travers les SAMLAG, nous avons adhéré à la Convention des Nations Unies. Donc il faut que l'on soit conforme par rapport au contenu de ces deux projets. Et troisièmement, le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le SAMIFIN a été doté de matériel informatique par la coopération française ce jour. Le SAMIFIN entrera aussi dans le groupe EGMAN qui réunit toutes les entités internationales spécialisées dans le blanchiment d'argent. Et puis la signature de partenariat entre Air Austral et Air Madagascar devrait se faire vers la fin de ce mois ou au début du mois de juillet, selon Eric Kohler, membre du conseil d'administration d'Air Madagascar. La signature a connu un léger retard à cause de l'évaluation totale diligentée au sein de la compagnie, laquelle n'est pas encore achevée jusqu'à présent, selon les explications Eric Kohler, de préciser que l'État malgache restera toujours majoritaire dans la compagnie Air Madagascar dans le cadre de ce partenariat avec Air Austral. Air Austral a été choisi pour être le partenaire stratégique d'Air Madagascar. La signature de partenariat entre les deux compagnies était prévue pour la fin du mois de mai dernier. La signature n'a pourtant pas été faite jusqu'à présent. Eric Kohler, membre du conseil d'administration d'Air Madagascar, d'expliquer donc que la raison de ce retard est la tenue de l'évaluation totale de la compagnie qui est encore en cours jusqu'à présent. La signature entre les deux compagnies est donc attendue vers la fin de ce mois de juin ou vers le début du mois de juillet, selon les explications. Comme vous le savez, Air Madagascar est une grande compagnie, donc c'est très complexe avec des paramètres qu'il faut bien définir au niveau technique, au niveau financier. Donc tout cela est encore pas, je dirais, terminé.
Donc c'est vraiment à cause de ça que je dirais que la signature est un peu décalée. Toutefois, cette signature est décalée aussi, car nous attendons aussi le président de la région Réunion, hein, Didier Robert, pour la signature de ce partenariat stratégique avec Air Austral. Il ne faut pas dire qu'il y a un problème, il y a une problématique par rapport à la date qui était prévue. Il y a une problématique, je dirais, positive, on va dire, parce que c'est, disons, un gros travail, c'est très complexe. Et donc, c'est les consultants qui travaillent dessus, et la due diligence, c'est-à-dire l'évaluation totale de la société Air Madagascar. Donc, il faut vraiment évaluer la société à tous les niveaux financiers et techniques, maintenance, employés, social, tout, avant pour éviter de se tromper, je dirais. Donc, il faut attendre que tout ça soit bien en place. De son côté, Air Austral a affirmé qu'il n'y a rien d'inquiétant sur le côté financier de cette compagnie. Après l'achèvement de la signature entre Air Madagascar et Air Austral, les deux parties doivent encore mener quelques actions dans la gestion de la dette Air Madagascar pour l'État malagasy. À partir du moment où on signe l'accord, il y a une période pendant laquelle Air Austral doit mener quelques actions. Et pendant cette même période, l'État malgache doit aussi mener certaines actions. Donc à partir du moment où l'accord est signé, c'est un moment de travail intense qui commence, aussi bien du côté d'Air Austral que du côté du gouvernement malgache, pour qu'on soit prêt à mettre le partenariat en œuvre. La gestion de la dette d'Air Madagascar de la part du gouvernement, et des améliorations sur certaines plateformes aéroportuaires et de la part du gouvernement encore et du côté d'Air Austral, c'est évidemment le bouclage du financement du projet. En ce qui concerne la dette de la compagnie malgache, Eric Kohler a précisé qu'un cabinet d'audit est maintenant en train d'en faire l'évaluation et que des experts financiers travaillent dessus avant de les présenter aux bailleurs de fonds. Il a aussi ajouté que l'État malgache restera toujours majoritaire dans la compagnie. En page politique, certains jeunes étudiants ne connaissent pas le rôle des deux parlements, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. La Chambre basse a pour responsabilité de voter les lois et la Chambre haute, conseil exécutif, dans l'accomplissement de la politique générale de l'État. Une porte ouverte pour faire savoir les deux institutions aux jeunes étudiants a eu lieu à la Bibliothèque nationale. Zora Barzon, Rivlen Chenarzon. Sur les 63 sénateurs élus en 2015, siégeant au Sénat à Nous, 13 sont des femmes. Et sur les 151 députés à Timbazaz, 26 sont des femmes. Le taux de participation des femmes dans la vie politique, principalement à l'Assemblée nationale et au Sénat, est encore faible. Cela explique que les femmes n'ont pas la capacité de prendre des responsabilités. Le diplôme de haut niveau ou d'études supérieures n'est pas exigé pour briguer un poste de parlementaire, car un député ou un sénateur se doit surtout d'être bien informé de la vie sociale de la population. La construction d'infrastructures ne fait pas partie des fonctions des députés. S'ils le font, c'est pour leur propagande, d'après les explications. Les membres de la Chambre basse adoptent les lois, à charge pour l'exécutif de les appliquer. Ils ont le droit de critiquer la mission des membres du gouvernement. Ils peuvent même aller jusqu'à l'empêchement d'un président et à la motion de censure d'un premier ministre si ceux-ci n'accomplissent pas correctement leurs responsabilités prévues dans la Constitution. Les membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale sont au nombre de 12 et de 7 pour le Sénat. Ce sont les membres du bureau permanent qui votent l'ordre du jour pendant la session ordinaire et extraordinaire. Une porte ouverte sur les deux institutions a eu lieu ce jour à la Bibliothèque nationale d'Anous. Dans le reste des actualités, seulement quelques régions de Madagascar ont bouclé la réservation dans les hôtels jusqu'à présent. Fort Dauphin accuse une diminution de 30 à 40% de réservations d'hôtels pour cette saison touristique à cause des difficultés de transport sur terre comme par mer. La Forme ou Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar coopère avec le ministère du Tourisme pour la résolution de tous les problèmes des hôtels. Le transport est l'un des problèmes pour les touristes à Madagascar. Des zones sont enclavées à cause de l'insuffisance de transport terrestre et maritime. La ville de Fort Dauphin est une victime. Les touristes diminuent chaque année dans cette région selon l'Office régional du tourisme. À part les problèmes liés à la route, les infrastructures hôtelières sont insuffisantes, ce qui prive la région d'un afflux touristique mérité. La Forme ou la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar travaillent pour régler ce problème actuellement en collaboration avec le ministère du Tourisme.
La forum pourvoit aussi des emplois au tourisme malgache. Le taux de remplissage, en fait, ça dépend des régions. Il y a des régions qui sont déjà, je dirais, surbookées. Il y a des régions qui sont un peu tributaires de d'autres facteurs comme peut-être l'aérien ou les routes ou d'autres infrastructures. Mais en général, ça dépend des régions vraiment. Nous sollicitons toujours nos membres et nous les poussons, nous les soutenons à améliorer leurs infrastructures d'accueil. Et pour ça, déjà, nous avons édité l'annuaire de fournisseurs de la FORM que nous éditons chaque année. Ça se garnit toujours parce qu'il y a toujours de nouveaux fournisseurs et il y a toujours de nouveaux produits aussi. Les membres de la FORM sont les premiers bénéficiaires de l'investissement hôtelier. C'est pour cela que la FORM ouvre sa porte pendant les 4 jours de l'ITM à tous qui veulent l'intégrer. Et passons tout de suite aux actualités internationales. Les élections législatives en Grande-Bretagne, le parti conservateur de la première ministre Theresa May a perdu la majorité absolue. Theresa May voulait plus de pouvoir pour négocier le Brexit. Perdue, elle se retrouve affaiblie. Elle veut former un nouveau gouvernement, peut-être avec les unionistes de l'Irlande du Nord. On fait le point avec France 24. Elle voulait avoir les coudées franches, notamment pour négocier les conditions du Brexit. Theresa May sort finalement de ce scrutin avec un boulet au pied. Si le Parti conservateur est arrivé en tête, il perd la majorité absolue au Parlement. Nous nous engageons à prendre en considération les priorités clés du peuple britannique. Trouver un bon accord sur le Brexit en s'assurant de bien identifier et de bien gérer les grands défis auxquels fait face notre pays. Faire ce qui est dans l'intérêt national. Mais si la première ministre tente de garder la tête haute, ses adversaires font feu de tout bois. À commencer par son principal rival, le travailliste Jeremy Corbyn, dont le parti gagne une trentaine de sièges de plus que dans le Parlement sortant. S'il y a un message au résultat, c'est celui-ci. La première ministre a demandé des élections parce qu'elle voulait un mandat. Le mandat qu'elle a, c'est qu'elle a perdu des sièges conservateurs, perdu des voix, perdu le soutien et la confiance. Je pense que c'est assez pour qu'elle parte et laisse la place à un gouvernement vraiment représentatif des citoyens de ce pays. Si Theresa May est mise en difficulté, la défaite est lourde pour les indépendantistes écossais du SNP. Ils perdent une vingtaine de sièges. Les libéraux-démocrates, parti le plus europhile de Grande-Bretagne, augmentent leur nombre de parlementaires de 50%, mais restent extrêmement minoritaires. Et comment réagissent les milieux d'affaires sur ce résultat qui ouvre une période d'incertitude? La livre sterling a déjà perdu près de 2% face au dollar. Explication. C'est l'onde de choc sur les marchés. Avant même les résultats officiels, la livre sterling plonge. À la City jeudi soir, le pari raté de Theresa May inquiète. Ce qu'ils veulent, c'est de la stabilité. Les marchés ont horreur de l'incertitude. C'est un cliché, mais aujourd'hui, cette vérité a une résonance bien particulière. Nous avons besoin de stabilité dans la politique conduite par le gouvernement, surtout dans le contexte du Brexit. Ce vendredi, les conservateurs ont perdu la majorité et les discussions pour créer une nouvelle coalition s'annoncent compliquées. Sans gouvernement, pas de Brexit et il faudra jouer la montre car les négociations avec Bruxelles s'ouvrent dans un peu plus d'une semaine. Rien qui ne puisse garantir une économie britannique forte donc. Dans son dernier rapport, l'OCDE revoyait déjà ses prévisions à la baisse. La hausse du PIB devrait atteindre 1,7% cette année et à peine 1% en 2018. C'est inattendu et choquant, sûrement pour les Britanniques autant que pour les Européens. Et ce ralentissement économique va coûter cher. Un ralentissement qui pourrait faire grimper le taux de chômage au-dessus de 5%, alors qu'il avait atteint fin mars 4,6%, son plus bas niveau depuis 1975. Autre inquiétude, l'inflation. Elle est passée de 0,8% avant le référendum l'an dernier à 2,6% au mois d'avril. Et selon la Banque d'Angleterre, elle pourra atteindre les 3% d'ici la fin de l'année. Point final de cette édition. Vivez les moments forts de copier-coller juste après ce journal. Très bonne soirée à tous.